الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. من شرور أنفسنا السيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes barakallahu fikoum dans la nuit du 6 Sha'ban de l'an 1443 de l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabi wa sallam, correspondant au 8 mars dans le décompte grégorien. Nous voulons, si Allah Azza wa Jalla l'a prescrit pour nous, pour suivre la lecture de notre livre At-Tawdihu wal-Bayanu li Shajarati al-Imani. Il s'agit de l'explication, de la clarification et de l'élucidation de l'arbre de l'Iman, de la foi, du très grand érudit Abdurrahman ben Nasr al-Sa'di rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes rentrés avec l'aide d'Allah dans la rubrique des bienfaits et des avantages que procure la iman. Il dit wa minha, et vous savez que dans la langue arabe min parfois a le sens de ba', yani la particule min a beaucoup de sens. Et l'essence de ces huruf, comme vous savez bien, sort du siyak, du contexte. Par exemple, lorsque le serviteur dit kharajtu min al-bayti ila al-masjidi, le min ici a le sens d'ibtida ou l'ouaïa. C'est-à-dire mon mouvement a commencé de la maison. Je suis sorti de la maison. C'est-à-dire le min ici, c'est l'ibtida. Mais lorsqu'Allah dit par exemple dans le Coran wa min al-nas, la particule min ici n'a plus le sens d'ibtida, ibtida al-ghaya, mais ça a le sens de ba'd al-nas, du tam'id. Yani comme Allah dit, il existe parmi les hommes. Il y a parmi les hommes. C'est le même sens que min a ici. Les bienfaits de la iman sont hyper nombreux. L'auteur a voulu simplement se limiter à ce qui peut paraître plus sensible, plus évident, plus agréable. D'après sa conception aussi. Il dit wa minha, fait donc partie des bienfaits de la iman. أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى صراط المستقيم. Celui qui est croyant est guidé par Allah dans le chemin droit. وبهديه في صراط المستقيم يهديه إلى علم الحق. Et le fait qu'Allah guide ce dernier sur le chemin droit implique le fait qu'Allah guide ce dernier sur le savoir vrai. Il faut que l'un de nous sache que ce n'est pas tout savoir qui est savoir vrai. C'est pourquoi les savants disent que la religion de quelqu'un est corrompue par la mauvaise science, le mauvais savoir, sous l'ilm. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il demande à Allah le savoir utile. Il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
Mali dit ailleurs, Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yanfa. Il cherche refuge auprès de toi contre un savoir qui n'est pas utile. Mais lorsque quelqu'un est sur le droit chemin, il est par là même guidé sur le savoir vrai. Wa ila al-amal bi. Et aussi il œuvre avec cette science. Et de ce point de vue, cela va l'orienter à parvenir al-mahab, c'est-à-dire il sera aimé, wa-surur, il sera tout le temps réjoui, bi-shuk, par le fait qu'il va exalter à Allah sa gratitude, il va exprimer à Allah sa gratitude. Wa-talaqi al-maqari wal-masa'ib. Et à cause de cette iman, de cette droiture, les difficultés, les épreuves, il va les accueillir avec l'agrément et l'endurance. À rigueur, il va agréer parce qu'il sait pertinemment que la situation ne pouvait pas être autrement. Et que ça, c'est le décret d'Allah. Il ne réplique pas, il ne discute pas, il se soumet. Et l'un de nous doit toujours estimer que rien ne peut se passer dans ce monde sauf par la volonté d'Allah. Wallah, si on avait intégré ça dans notre vie, on n'aura des problèmes avec personne. On ne va jamais regarder rancune à quelqu'un. Parce qu'on sait que si Allah n'a pas voulu, il ne pouvait pas nous faire ce qu'il a fait. Et malheureusement, nous les musulmans, nous récitons avec nos langues des choses, mais qu'on n'intègre pas dans nos vies. Tous les musulmans du monde disent « Masha Allah kana ». Ce qu'Allah veut se réaliser, ce qu'Allah ne veut pas ne se réalise pas. Là qu'il fasse à certaines choses, on perd ce sens-là. On garde des rancunes, on crie vengeance, on calomnie, on se plaint, on fait des polémiques. Pourtant, si on avait estimé les choses avec patience et endurance, ce serait le dalil qu'on a goûté à la saveur de la iman. C'est pourquoi le cheikh Al-Humeidi, dans son livre Usul Sunnah, qu'on aimerait Inch'Allah lire dans cette mosquée après cet ouvrage-ci, au début, il dit un yu'min al-rajul bil qadr. L'homme doit croire au destin. Et ce destin-là est résumé à quoi? Anna ma akhta'ahu lam yakun yusibahu wa ma asabahu lam yakun yukhti'ah. Il doit savoir que le mal qu'il a touché, en aucun cas ne pouvait l'éviter. Il doit savoir que le mal qu'il a évité, en aucun cas ne pouvait le toucher. Face à ces réalités-là, où sommes-nous dans les plaintes et les polémiques? Où sommes-nous dans la vengeance et les querelles barakalofiques? Où sommes-nous dans la rancune et la haine? Et les regrets et les remords? Alors que nous devons avoir la conviction que ce qui nous a touché n'est que par la permission d'Allah. Il dit qala ta'ala la di innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Celui qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres, Allah va les guider par leur iman. La iman qu'ils ont seront, n'est-ce pas, ça dit ce par quoi Allah va augmenter leur guider. Un peu comme les jeunes de la caverne. Qu'est-ce qu'Allah dit? Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. C'est les jeunes qui ont cru à Allah Seigneur et Allah leur a augmenté la guidée. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Mémorisez ce verset comme la sourate Al-Fatiha. Allah dit ma asaba min musibatin fa bi idnillah. Aucun malheur ne touche quiconque sauf par la permission d'Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbuhu. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Quand la barre du salaf, un pieu blessé, c'est parmi les imams, c'est l'imam de Tabine, vraiment. Ou Al-Kama. Il dit, Ou Arajul, tu sibou l'moussiba, fayala mouanna haminin d'Allah, fayarda ou yusallim. Celui dont Allah fait allusion ici, il dit, Wa ma yu'min billah, yahdi qalba. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Le salaf, il fait le tafsir, il s'est dit, il s'agit d'un homme qui a subi une épreuve, qui a subi un malheur, et il a su que ça vient d'Allah, il agrée et se soumet. Il agrée l'épreuve, il se soumet. Vous devez comprendre à partir d'ici, mes chers frères, que l'endurance est obligatoire
mais l'agrément est méritoire. Ça veut dire qu'agré dépasse la patience. Ce n'est pas tout le monde qui patiente, qui agré. Il reçoit une caf à la joue, il laisse tomber l'akin, il passe une journée amère. Il n'agré pas ça. L'akin est patient, il ne se venge pas. L'akin agré est le degré le plus élevé. ولم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يصلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أهل عرضة لها في كل وقت. Il dit, si il n'y avait que comme fruit et comme bienfait de la iman, le fait que la iman soumet, n'est-ce pas, son porteur face aux épreuves et aux difficultés de la vie, donc tout le monde est sujet. Qui ne connaît pas les épreuves dans ce monde? Tout le monde est éprouvé. C'est pourquoi l'autre disait, Iva ra'aita musibatan ghairi, hana 'alayya musibati. Quand je regarde les épreuves des autres, je suis obligé de relativiser les miennes. Parce que quand tu as dans ta tête que tu souffres le plus, sors un peu de ta maison, tu verras qu'il y en a qui souffrent plus que toi. C'est pourquoi il dit, Iza ra'aytu musibatan ghairi hanat 'alayya musibati. Quand je regarde les épreuves des autres, je relativise les miennes. Et chacun est sujet des épreuves à n'importe quel moment. Wa musahabatul iman wal yaqin a'zamu musalli 'anha. Et le fait d'être porteur de la iman, de la certitude, est, n'est-ce pas, ça dit le secours le plus solide face aux difficultés. Wa muhawwinin laha. Et c'est cet iman qui fait, n'est-ce pas, ça dit simplifier les épreuves. Tu vas voir quelqu'un face à une épreuve, il pleure jusqu'à se tordre le corps. L'autre face à la même épreuve, khalas ya lui. Il patiente. Il relativise. Il ne se plaint ni avec sa langue ni avec son âme. Pourquoi? Parce que sa iman est très élevé. Il dit, wa dhalika li quwwati imanihi. C'est là à cause de la force de sa iman. Wa quwwati tawakkulihi. Et parce qu'il a vraiment placé sa confiance en Allah. Wa li quwwati rajaihi bi thawabi rabbihi. Et parce qu'il est sûr de la récompense qu'Allah promet à ceux qui sont endurants. Vous-même, vous savez que la clé de l'endurance, yani la conséquence de la patience, c'est le paradis. Le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà ne dépend que de la patience. Si quelqu'un n'est pas patient, il sera continuellement malheureux. C'est pourquoi dans quelques versets de sourate Al-Hajj, Allah dit que les gens qui sont perdants dans ce monde et dans l'au-delà sont ceux qui ne sont pas patients. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Il y a des gens qui adorent Allah de manière marginale. Wa nasabat khairat ma'an nabi. Lorsqu'ils sont dans un bonheur, ils sont calmes, ils sont souples, ils sont généreux, ils sont agréables. Vous ne savez pas musiba, un calme à la voix. Mais face à une épreuve, il détourne son visage. Même si vous lui rappelez la parole d'Allah, il dit laisse-nous les choses là. Wallah, il y a des gens comme ça. Tu lui rappelles la parole d'Allah, il dit laissez-nous vos choses là. Un calme à la voix. Il a détourné son visage. Allah dit khasira dunya. Voilà, il n'a rien dans ce monde, il n'a rien dans le monde. Et ça, c'est la plus grande perte. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être endurant. Subhanallah. Et celui dont nous mentionnons depuis, il désire les faveurs d'Allah. Fahalawatu al-ajr tukhaffifu mararata sabr. Et c'est pourquoi la saveur de la récompense, et c'est qu'Allah ne manque pas sa promesse, allège la difficulté de la patience. Yahé, celui qui sait où il va, et sait ce qu'il vise, il néglige la difficulté. Quand quelqu'un sait que, arrivé au sommet de la montagne, je veux trouver une richesse, il va monter. Parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'il attend. Il est obligé de faire preuve d'endurance. Quand quelqu'un sait que la lecture du Coran est dense,
va me permettre de bénéficier de l'intercession du Coran. Il ne se fatigue pas parce qu'il sait quelle sera la félicité. Voilà, qu'alors fait. Il dit ça pour nos frères. قال تعالى الذي إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون الله dit si vous avez une blessure, vous avez de la peine ou de la douleur, les ennemis aussi ont pareil. وترجون من الله ما لا يرجون, alors que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas eux. Quand le musulman va au front dans le djihad vrai, pas le djihad qui n'a pas de fondement, comme le djihad est désordonné, qui crée le désordre sur la terre au nom du djihad, et font tout sauf le djihad. On pense à Ben Laden, Allah, son djihad est un djihad bâtre. Ça a mené beaucoup de problèmes aux musulmans, et les savants ont élucidé toutes leurs erreurs. Ils se comportaient beaucoup plus comme les khawarij. Les khawarij qui sortent les musulmans de l'islam et décident, n'est-ce pas, c'est-à-dire de se comporter envers eux vis-à-vis de l'image qu'ils laissent vis-à-vis des frères. C'est la même chose que les Daesh ont suivi, il n'y a pas de différence avec le Ben Laden. Sauf que les Daesh, ils ont éblouit le monde avec les caméras qui étaient sur eux, et leur extrême priorité décapite les gens. Et dit, mais c'est la même visée, créer un état de l'islam. Tu vas créer un état de l'islam sans croyants, c'est mustahil. Tu vas créer un état de l'islam avec ceux qui décapitent les êtres humains pour rien, alors qu'Allah dit dans le Coran, tu vas créer un état de l'islam avec quoi? En critiquant les savants, en disant que les savants sont des savants corrompus, les savants pétrodollars, tu détournes toute la Ummah de Kibar Ulama, tu dis que Cheikh Bin Baz est kafir, Cheikh Al-Femine est Mouktade, Cheikh Fozana est quelqu'un égaré. Quand tu sors la Ummah de ces remous, c'est que les gens se retrouvent dans ce que vous les avez vu. C'est la même chose que les Boko Haram ont suivi ici à nous. Tout cela ont tout fait, sauf le djihad de l'islam. Ils ont semé la corruption sur la terre sans aucun droit. Et c'est sans verser pour rien, ils vont répondre au Malkiyam. Fikou Tamam. Parce que la première des choses qu'Allah va juger au Malkiyam sur le droit des êtres humains, c'est le sang versé. Alors la première chose qu'Allah va juger sur son droit, c'est la salah. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de contradiction. Ça c'est dans le droit d'Allah. Mais la première chose qu'Allah va juger parmi les hommes, c'est sur le sang versé. Parce que c'est le sang est sacré. Là qui dans le vrai djihad, l'ennemi n'est pas comme le Coran. Le Coran c'est que soit il va gagner la guerre, il aura le butin, soit il va mourir martyr. Il espère ça, il espère les deux. Soit la shahada, imam martyr, soit la victoire et gagne le butin. Alors le kafir n'a rien avec ça. Il veut seulement sauver sa vie et faire des injustices sur la terre. C'est pourquoi Allah dit, wa tarjuna min Allah ma la yarjou. Vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Soit la victoire ou le martyr ou la shahada. ولهذا تجد اثنين تصيب مصيبه واحده او متقاربه وعدوما عنده ايمان والاخر فاقد له لشتي c'est pourquoi tu verras deux personnes qui sont victimes des mêmes épreuves ou des épreuves pareilles. L'un a l'iman et l'autre n'a pas d'iman. L'autre n'a pas d'iman. تجد الفرق العظيم بين حاليهما. Tu verras une différence immense entre leurs deux états. وَتَثِيرِهَا فِي ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. Et tu verras l'impact de cette épreuve sur leur apparence et sur leur cachet. وَهَذَا الْفَرْقُ رَاجِعٌ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ بِمُبْتَدَا. Et cette divergence-là rentre, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur la iman et l'œuvre en fonction de la iman. Voilà, c'est ça la vérité. Deux gens, quand ils sont éprouvés, celui qui a la iman n'est pas comme celui qui n'a pas la iman, ou celui qui n'a pas qui a la petite iman, ils ne sont pas pareils. Wa kama annahu yusalli inda wurud al-masa'ib wal-maqari fa innahu yusalli inda faqd al-mahabbi fa idha faqada al-mu'min habibahu alladhi tamakkana hubbuhu min qalbihi
من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. Ce que le cheikh dit ici est très important. Si vous avez des crayons, il faut souligner ça. Il dit كما أن يصلي عند ورود المصائب والمقار. C'est-à-dire le vrai croyant, de la même manière que l'imam le soutient dans les épreuves et les choses désagréables, فإنه يصلي عند فقد المحب. Cette même imam aussi le soutient dans la perte d'un être bien-aimé. Si le croyant a perdu un bien-aimé, dont l'amour s'est ancré dans son cœur, comme un proche parent, un enfant, ou sa richesse, ou un ami, ou tout ce qui est similaire à ça, vous allez voir que la saveur de la iman, n'est-ce pas, ça dit, va faire qu'il relativise. C'est pourquoi le cheikh a dit, wal imanu khairu iwadi lil mu'min an kulli mafqud. C'est pourquoi la iman, la foi, est le meilleur qui remplace tout ce qu'on a perdu. Perdre un parent, la foi va le remplacer. Perdre un être cher, la iman va le remplacer. Et c'est le meilleur qui va le remplacer. Parce qu'à cause de ta iman, tu ne vas pas en faire une affaire d'état. Il te restera la tristesse qu'Allah Azzal a inspirée à l'être humain. Mais tu n'iras pas au-delà de ça. Tu ne vas pas t'en prendre au destin ou au décret d'Allah Azzal. C'est à cause de ça que Al-Fudayl ibn Iyad, lorsqu'il a perdu son fils Ali, il s'est mis à rire. Ça a beaucoup embarrassé les gens. Parce qu'il faut que vous compreniez, mes chers frères, que l'amour que nos parents ont vis-à-vis de nous, nous n'aurons jamais le même amour vis-à-vis de nos parents. L'amour que nos parents portent sur nous dépasse l'amour que nous avons pour eux. C'est à cause de ça que dans un état de l'islam, on ne peut jamais ôter la vie d'un parent pour son enfant. Mais on peut ôter la vie de l'enfant pour le parent. Mais le cas inverse, non. La yuqadu wali ala waladi. On ne peut pas ôter la vie d'un parent pour l'enfant. Parce que si un parent ôte la vie de son enfant, on considère qu'il a perdu la raison. Mais un enfant ôte la vie de son père, il y a des motivations. Le père est très riche, il est pervers, il le tue pour prendre l'héritage. Ça, voilà. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive. Combien d'enfants tuent leurs parents? Ça, c'est monnaie courante. Surtout dans les sociétés où les gens n'ont pas la iman. La guinée, un parent ôte la vie de son enfant, c'est extrêmement rare, ça. C'est pourquoi lorsque Fudayl ibn Iyad a perdu son fils Ali, il s'est mis à rire. Ça a beaucoup embarrassé les gens. Beaucoup trop d'ailleurs. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils, Ibrahim s'est mis à pleurer. On a vu les larmes qui coulaient sur son visage, sur son front. Les larmes qui coulaient pas sur le front, mais sur les joues. Ça sortait des yeux et que derrière. Ça a mis les gens dans l'embarras. Parce que lorsqu'on a demandé à Fudayl ibn Iyad, pourquoi tu ris le jour où tu as perdu ton fils? Il disait parce que je vais prouver que j'ai agréé les décrets d'Allah. Est-ce que Al-Fudayl ibn Iyad agrée plus le décret d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit là, c'est pas possible. Il aurait fallu qu'Allah envoie la Umma, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. C'est lui qui a fait le tafsil sur les deux états. Il a dit Hadi Muhammad afdal wa akmal. La conduite du messager d'Allah est la meilleure. Elle est meilleure que celle d'Al-Fudayl ibn Iyad. Pourquoi? Parce qu'il y a deux servitudes qu'il faut rassembler ici. Quelle servitude? La servitude d'accepter et d'agréer les décrets d'Allah. Et la servitude de la compassion vis-à-vis d'un enfant qu'on a perdu. Lorsque Fudayl ibn Iyad a été confronté aux deux, il n'a pas pu gérer les deux. Il a pu gérer une seule, accepter les décrets d'Allah. L'autre l'a échappé. Il n'a pas pu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les deux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Ibrahim, inna la mahzounouna li firakika ya Ibrahim, walakin la naqul illa ma yurdi rabb. Nous sommes attristés, Ibrahim, de t'avoir perdu. Mais on ne peut pas dire sauf ce qu'Allah a créé. On ne peut pas se lamenter. On ne peut pas dire qu'Allah ne nous aime pas. On fera tout et pour tout pour nous limiter dans les paroles qu'Allah a créées.
Mais nous sommes attristés de t'avoir perdu un enfant que tu perds en bas âge. Tu es obligé d'être attristé. Et cette tristesse-là ne veut pas dire que tu es contre le décret d'Allah. C'est pourquoi il est permis de couler les larmes si on a perdu un proche parent. Mais il est interdit de vociférer des paroles de la djahiliya ou de déchirer les vêtements ou frapper les joues ou raconter des histoires. Mais quand tu as versé les larmes, rien n'interdit ça. Vassala Samsi perd son enfant, il coule des larmes, la chaque. Lakin, il est yani ala thawab sahih, que ça c'est la volonté d'Allah. Et que rien ne peut changer la volonté d'Allah. Et c'est pourquoi je vous avais toujours rappelé ici l'attitude des salaf. L'un d'eux disait, si je demande à Allah quelque chose, il me donne, je suis très content. Mais si je demande à Allah quelque chose, il ne me donne pas, je suis plus content. Subhanallah. Parce qu'ils ont le fiqh. Azim, amik. Il dit, parce que la première chose que j'ai demandé à Allah, Allah m'a donné, c'est mon choix à moi. Mais quand j'ai demandé à Allah, Allah m'a refusé, c'est son choix à lui. Et le choix d'Allah est meilleur que mon choix. J'ai voulu une chose, il me l'a donnée. J'ai voulu l'autre, il me l'a refusé. Il a choisi pour moi le refus. Et le choix d'Allah pour moi est meilleur que mon choix à moi. Donc je suis plus content quand je demande à Allah, Allah ne me donne plus. Et après ça, c'est le fiqh. Fiqh al-waqa. Qui échappe à beaucoup de gens qui n'estiment pas les choses à cette valeur. Parce que leur cœur est vide de l'iman. Ils ne conçoivent pas ces choses-là comme les gens illuminés. Qu'Allah a rempli le cœur de l'iman. La compréhension du monde, la gérance des situations n'est plus la même. Al-Arabi Ansari, quand Abdurrahman ibn Auf est venu chez lui, il dit, je vais couper ma richesse en deux, je lui donne la moitié. Qui va faire ça? Tu as la richesse, tu la divises en deux, tu donnes une moitié à un individu. Et tu restes avec l'autre moitié pour gérer ta famille. Qui va faire ça? C'est quelqu'un qui a la iman. Parce que celui qui a la iman sait que ce qu'il a dans sa main n'est pas plus important que ce qu'il a auprès d'Allah. Il peut s'en débarrasser facilement parce que c'est ce qu'il attend auprès d'Allah. Allah ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il a fait. Il a appelé son frère, il a dit à son frère, j'ai deux femmes. Shraman. Les deux femmes. Tu vas faire venir les deux femmes. Tu vas me montrer celle qui te plaît. Quelqu'un peut faire ça? Tu vas me montrer celle qui te plaît. Les deux. Je vais la répudier pour Allah que tu l'appelles. Dès que sa idda va finir, tu l'emballes. Tu l'emmènes. Qui va faire ça? C'est quelqu'un qui a le cœur rempli de l'iman. Encore quelqu'un peut donner la richesse de sa femme. C'est ça. Et la méthode, la manière dont tu donnes aussi. Tous les gens qui sont polygames, tels que le cheikh Ismaïl et autres, là, ils savent que les femmes ne sont pas pareilles. Tu as une femme, elle est pudique, elle est douce, elle est calme. Et tu as une autre qui te fait seulement blanchir les cheveux. Et celle qui te fait blanchir les cheveux, c'est un bon débarras. Ton frère a rien, tu dis, prends la fils Abidillah, parce que tu veux t'en débarrasser. Mais quand il dit, choisis celle qui te plaît, c'est qui donne vraiment pour Allah. Wallah il a dit. Qui va faire ça? C'est celui qui a la iman. Wallah. Il dit, barakallahu fikoum. Donc la perte d'un bien-aimé est évidemment remplacé par la iman. La iman prend la place de la perte d'un bien-aimé. Tu n'en fais plus une affaire d'état. Tu relativises les choses. Tu sais que Allah décrète dans son monde ce qu'il veut. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Tu n'as pas de discussion à faire avec. Allah dit dans le Coran, la yus'alam ma yaf'al wa mus'alun. On ne demande pas à Allah ce qu'il fait.
Si tu demandes à Allah, pourquoi est-ce qu'Allah a décrété Dieu la voix d'Asoubi, c'est haram. Tu peux être kafir, aslam, parce que tu contredis le Coran dans son zahir. La yus'al, on ne demande pas à Allah pourquoi. La yus'al mayaf'al, on ne demande pas à Allah pourquoi. Si tu demandes pourquoi, tu contredis le Coran. Et si tu contredis le Coran, tu es kafir. Ça voilà là. Là qui nous a besoin du qadar. À la limite, on va dire il a posé un acte de kufr. Mais on ne dira pas encore qu'il est kafir. Il dit kama huwa mushahadun wa mujarrab. Et cela c'est évident. Tout le monde qui connaît les vrais croyants, quand ils ont perdu un être cher, ils ont une conduite différente de ceux qui n'ont pas la iman. Wallah jiddan. Il dit wa faqdul mahbub fil haqiqa معدود من المسائل ولولا أن يعقوب أجد نسبة la perte d'un être cher en réalité معدود من المسائل ça compte parmi les épreuves, ça compte parmi les difficultés. ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم بحيث قال لإخواته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. On parle de Yaqub ici. N'eût été le fait qu'il avait une iman solide lorsque ses frères sont venus dire qu'ils veulent aller jouer avec Youssouf alayhi salam. Il avait tellement d'amour pour Youssouf alayhi salam, il a dit je suis attristé que vous l'amenez avec vous. Yaqub, c'est le fils d'Ishaq, le père de Youssouf alayhi salam et de ses 11 frères. Ce sont ceux qu'on appelle les Asbat. Ces gens-ci, malgré l'erreur dans laquelle ils sont tombés, Allah leur a pardonné leurs péchés, sont devenus des prophètes. C'est pourquoi Yaqub alayhi salam est d'une lignée rare. Fils d'un prophète, lui-même prophète et tous ses enfants prophètes. Ce sont ceux qu'on appelle les Asbat dans le Coran. Asbat. Asbat. Malgré ce sur quoi ils sont tombés, ils sont devenus aussi des prophètes. Parce qu'ils ont jeté Youssouf dans le puits. Ils ont jeté Youssouf dans le puits. Fakhbara anna al-mani' law min irsalihi annahu la yasbir ala firakihi wa la sa'atan min nahar. Et il justifie que le fait, n'est-ce pas, qu'il a permis que Youssouf parte, ne parte pas, il était très gêné. Parce qu'il ne peut pas patienter de se séparer avec Youssouf alayhi salam, même, n'est-ce pas, ça dit une heure de la journée. Walakinahum alajou. Mais ils ont, n'est-ce pas, ça dit, yani convaincu leur père. Wazakarullah al asbab allati tujibulahu an yursilahu ma'ah. Ils ont, n'est-ce pas, convaincu leur père, ils donnent les raisons qu'il fallait que leur père, n'est-ce pas, ça dit, accepte pour qu'il le laisse aller avec Youssouf al-Salahu. Liyakadi Allahu amran kana maf'oula. Afin qu'Allah réalise quelque chose qui était décrété. Parce que Youssouf alayhi salam a vu en songe le soleil et 11 étoiles se sont prosternées devant lui. Son père avait compris que ses frères ne devaient pas savoir ça. Parce que ça signifiait quelque chose de très lourd. Mais tout comme enfant, il a livré la mèche. Et ça a créé l'animosité dans le cœur de ses frères. Il a vu que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. وهكذا. إذ فمن فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أو يعبر عنه. Donc voici, n'est-ce pas, l'état de Yaqub alayhi salam, d'un amour très immense qu'on ne peut même pas décrire. C'est indescriptible cet amour là, والله. إذ هل يدخل في الذين أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer que Yaqub allait rester si longtemps vivant? Il a de la peine à se séparer de son fils une heure de temps. Il se retrouve des années loin de son fils, jeté dans le puits, puisé dans le seau comme de l'eau et être vendu à vil prix en Égypte, à vil prix. Saman yani keda. Il devient l'esclave de l'Aziz. Rajba. بل يغلب على الظن أن الحب
يفتتو كيده بأسرع وقت. Ce qui passe à l'esprit, c'est que cet essai d'amour pour son fils va causer sa mort. Ça va détruire, n'est-ce pas, c'est-à-dire ses parties internes. ولكن قوة الإيمان قوة رجاء بالله أوجب له أن يتماسك. Mais toutefois, la force de l'iman et la force de l'espérance en Allah a, n'est-ce pas, c'est-à-dire un impact afin qu'il puisse, n'est-ce pas, se maîtriser. كل هذه المدة durant tout ce temps حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. Jusqu'à ce qu'Allah vienne avec le soulagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à tous les croyants. وكذلك أم موسى. C'est la même chose avec la mère de Moussa alayhi salam. هنا ذهب اليم بموسى. Lorsqu'elle a jeté Moussa dans les flots, elle avait l'habitude de le faire chaque jour dans les récits, on rapporte qu'en réalité elle jetait Moussa dans les flots et elle tirait la corde pour que la bassine ne parte pas tout au long du Nil, parce qu'elle avait peur que si les soldats de Pharaon voient un bébé, ils vont seulement le tuer. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, n'est-ce pas, ça dit, jeter dans les flots avec une corde dans le berceau. Et Annie est dans les flots et puis une corde retient. Un jour, elle a oublié la corde. Le berceau part dans la mer, sur le Nil, jusqu'à traverser le palais de Pharaon. Pharaon prend l'enfant, il veut le tuer. C'est son épouse Asya qui dit non, il ne faut pas le tuer. Cet enfant peut être pour nous une joie des yeux, une source de bien. Philan, cet enfant est devenu pour elle une source de bien. Parce que Asya est comprise parmi les meilleures femmes de l'humanité. À cause, n'est-ce pas, c'est-à-dire de cette bienfaisance vis-à-vis de Moussa alayhi salam, y compris sa iman qu'elle avait à la base aussi. C'est une croyante. C'est pourquoi quelqu'un, quand Allah lui donne une bonne femme, il sera à l'abri des erreurs flagrantes. Mais quand Allah lui donne une mauvaise femme, c'est la mort avant la mort. Les deux sont diamétralement opposés. Wallahi, si Allah vous donne une femme intelligente, elle va vous sortir des situations très difficiles. Parce que les femmes sont parfois les sahibat al-qarara muhim jiddan. Sont des confidentes très importantes, à condition qu'elles soient éduquées et qu'elles aient reçu une bonne éducation islamique. Lakin, quand quelqu'un prend une femme qui a évolué avec la nature et les histoires, à qui il va pas s'en sortir. Lui-même, il ne sera pas épanoui dans sa vie. Wallah, il sera malheureux. Il va broyer du noir. Il va fondre. Et peut-être il va souhaiter la mort. Parce que ces gens-là sont des gens de pôle extrême. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lésiné sur cette histoire. Il dit, avant de vous marier, il faut bien savoir quelle femme vous allez épouser. Ne faites pas que celle qui va porter vos enfants soit n'importe qui. Ouvrez bien les yeux sur ça. Ce n'est pas les passions. Quelqu'un veut une fille jolie et court là. Il faut relativiser les choses. Il faut mettre sur la balance de la iman, la balance de la foi. Si elle est jolie, comme Ahmed dit qu'il aime les femmes jolies, à la base. Là, il faut que cette beauté vienne trouver la iman. Parce que la beauté, ça, elle peut partir du jour au lendemain. Qui ne connaît pas des femmes jolies qui ont perdu la beauté avec des accidents, avec ceci? Des femmes riches qui ont perdu la richesse. Mais la iman, quand elle s'éprègne, elle ne saute pas du jour au lendemain. Ala kulli hal, wasbaha fuaduha fariga min kulli shay illa min al-huzni ala Musa. La mère de Moussa est devenue malheureuse. Son cœur était attristé. Et son cœur s'est débarrassé de tout, sauf la tristesse qu'elle avait pour le cas de son fils, qui a disparu dans les flots, sur le Nil. Elle ne sait pas où. لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان. Si Allah n'avait pas attaché son cœur à l'iman, وعلمت أن وعد الله حق, et qu'elle a su que la promesse d'Allah est vérité, لكادت تبدي بما في قلبها. Parce qu'il était fallu qu'elle dévoile ce qu'elle avait dans son cœur. Dit que vraiment je suis la mère de... Ah, on allait l'exécuter. Parce que Pharaon a décidé de tuer tous les enfants. وَتُصَرَّهُ بِمُصِيبَتِهَا. Elle pouvait, n'est-ce pas, c'est-à-dire pousser des cris et des lamentations pour son épreuve. وَلَكِنْ هُوَ الْإِيمَانِ الْمُثَبِّتُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ.
Mais c'est l'iman qui raffermit quelqu'un dans les difficultés. Wal musalli inda al masa'ib. Et c'est elle qui accompagne quelqu'un dans les épreuves. Al muqawwi idha wahanat al quwwa. Et c'est cet iman là qui renforce, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui augmente la force quand on commence à être fragilisé. Wal mu'azzi idha azza al aza. Et n'est-ce pas, c'est-à-dire cet iman là rend quelqu'un plus ferme et plus solide et plus dur, n'est-ce pas, quand la situation devient quelque peu changeante. Voilà qu'in inshallah on va s'arrêter ici. Barakallahu fikoum. S'il y a peut-être une ou deux préoccupations, on les discute avant le azan ou après le azan. Wallahu musta'an. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.